Je te dis, j'arrête, c'est mort, je continue pas, ça craint trop. Je les vois au quartier, ils commencent à me regarder chelou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y'a personne qui me connaît. Mais arrête de dire que personne te connaît, tu me rends ouf. Faut que t'arrêtes de me donner des rendez-vous comme ça. Si je sais un truc, je te le fais savoir, mais c'est trop dangereux, c'est bon. Eh, ok, calme-toi, calme-toi, ok? Je me calme pas, j'ai peur, tu comprends ça? Mais t'as peur de quoi? Tu crois que je vais laisser un truc t'arriver? Je sens que je vais mourir, et j'ai pas envie de mourir. Eh, regarde-moi, regarde-moi. Il va rien t'arriver, ok? Je m'occupe de toi. Ça va? Oui, j'arrive, j'arrive. Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, toi? Ben, je viens voir le match. Quoi ça, le match? Mais t'as pas la télé? Eh, ils m'ont coupé, j'ai pas payé. Ah. Je vais mettre au frais. Non, 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 tu mets rien au frais, tu mets rien au frais, je suis occupé, là. Faut que tu dégages. Ah ouais, je vois. T'es en train de te taper une petite seg, hein? Ouais, c'est ça, une seg, ouais, une grosse seg, ouais. Donc, tu peux pas rester. Ok, je respecte. Tu peux continuer, je regarderai pas. Promis. Ok, ok. Non, c'est pas une histoire de tu regardes pas. Je te dis que j'ai besoin d'être seul, ok? De me concentrer, de calme. Donc tu te barres. Frérot, Real Madrid. Mais je m'en fous que c'est le Real Madrid, je m'en fous. Là-bas, c'est qui? Deux. Frérot, j'hallucine ou j'ai entendu la voix de ma mère là? J'ai rien entendu moi. La voix de ta mère? Ouais. Mais y'a personne ici, n'importe quoi. Mais mec, c'est ma mère, je te dis. Non, c'est pas ta mère. Écoute, je suis en date, là, je suis en date. Maman? Ouais, y'a personne, je suis en date. Mais y'a pas de mec, putain de merde. Tu comprends que j'ai envie de me taper une sec sur des grosses mifs, tu comprends ça? C'est déjà assez compliqué comme ça, ok? Oui, j'avoue, voilà, j'avoue, j'adore la pouffletterie, les rides et les vieilles chattes. Ok, c'est bon? Voilà, donc maintenant tu prends des affaires, tu vas payer ton putain d'amendement, tu me donnes ça, et tu te barres. Ouais, ça va, bah oui, ça va. J'ai besoin de voir mon fils, Léa. Bah pourquoi t'es parti alors? C'est pas parce que je t'ai quitté que j'ai quitté mon fils. Pour moi, c'est pareil. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mélanges tout, là? Si tu crois que je vais te laisser m'empêcher de voir mon fils... À quoi tu joues? Pourquoi tu fais comme si t'avais peur de moi? Mais j'ai peur de toi. Écoute, je sais que tu m'en veux. Mais j'ai pas choisi. J'ai eu un coup de cœur. Je voulais pas te quitter. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai rencontré quelqu'un. T'aurais préféré quoi? Que je te mente? Que je te trompe? Mon fils, c'est ma vie, Léa. Je peux pas ne pas le voir grandir. Je peux pas ne pas lui apprendre à faire du vélo. Je peux pas ne pas lui raconter une histoire le soir quand il a peur. Je peux pas ne pas l'emmener à l'école et manger un pain au chocolat avec lui pendant qu'il me raconte sa journée. Je peux pas. C'est mon fils autant que le tien. Et je supporte pas de rater une miette de sa vie. S'il te plaît, me l'enlève pas par vengeance. Viens chercher ce week-end. Merci. Laverne, c'est quoi cette merde? Cette merde, comme vous dites, c'est ce que les gens veulent savoir. J'en ai rien à foutre de ce que les gens veulent savoir. C'est la troisième fois que vous me sortez un papier basé sur des suppositions. On est un journal, Laverne. On se contente de relater des faits, pas d'en inventer des nouveaux. Vous comprenez la différence? J'ai pas de preuves, d'accord, mais j'ai des présomptions. Je tiens un journal, pas un cabinet de voyants. Mais j'ai juste... Y'a pas de mais! Soit vous me ramenez des preuves concrètes, soit je vous colle aux archives avec Parizeau. C'est clair?